Pour cette table ronde qui porte sur la question des nationalités d'hier à aujourd'hui, qui, comme vous l'avez vu avec le très dense encore exposé de Eric, est central dans les programmes. Donc Eric Anceau, il n'a pas changé depuis tout à l'heure, hein, il est toujours enseignant à la Sorbonne, il est toujours, j'aurais dû le dire, gère une partie du LABEX, écrire une histoire nouvelle de l'Europe. Et puis nous avons donc Jérôme Grondeux, qui lui aussi a été enseignant à la Sorbonne et qui est doyen de l'inspection générale en histoire-géographie. Et puis, oui. J'ai inversé. Et puis Jean-Claude Nicolas, qui est IA IPR chez nous. Et le nouvel arrivant, c'est donc Marc Charbonnier, que je salue, et qui est secrétaire général de l'APAG. Dans cette table ronde, on va avoir une diversité de prises de parole, dans la mesure où Eric va nous faire, alors chacun des intervenants a en gros 10 minutes, si on ne veut pas trop dépasser, on aura ensuite 10-15 minutes d'échange. Eric va revenir sur les questions d'historiographie, comment aborder la question du nationalisme. Vous le savez, et des nationalités, vous le savez, cette historiographie, elle est pléthorique. On a nos classiques, on a Anne-Marie Tis, on a Eric Hobsbawm, on a Miroslav Hroch, on a Benedict Anderson. Mais je pense que tu en diras un mot, on a un retour du proto-nationalisme en force, qui nous interroge aussi, j'ai envie de dire, politiquement, au sens large. Et puis ensuite, on aura des interventions donc, sur le lien, la philosophie des programmes, et etc. De ce point de vue-là, et on pourra discuter de tout ça. Je laisse vite la parole pour ne pas prendre plus de temps. Je ne vous ferai pas de grands signes, hein, il est 11h50, chacun a 10 minutes. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Alors je vais enchaîner sur ce que je vous disais tout à l'heure en conclusion. J'avais terminé, en fait, vous l'avez compris, en disant un petit mot du roman national, hein, un roman national qui est contemporain de ce qu'on appelle le nation building, la construction des États-nations, dont notre ami à Jérôme et à moi, Christian Amalvi, à l'Université de Montpellier, est l'un des très très grands spécialistes. Alors, l'étude des nations, de la construction de ces États des nations, va décliner dans l'entre-deux-guerres. C'est un petit peu paradoxal, si vous voulez, parce que c'est une forme d'apogée des États-nations à ce moment-là, avec l'éclatement des grands empires, l'Empire ottoman, l'Empire russe, et puis également l'Empire d'Autriche-Hongrie. Hein. C'est le moment de la création de la Société des Nations. Eh bien, vous allez avoir un déclin de l'étude de l'histoire des États-nations à ce moment-là. Alors, c'est corrélatif, bien évidemment, de l'apparition de nouvelles écoles historiques. Je pense par exemple à l'école des Annales, hein, qui réprouve le tout politique qu'on avait pu mener à l'époque de l'école méthodique. Tout ça, bien évidemment, joue un rôle. Alors, ça n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'études sur les États-nations dans cette période. Il y a Paul Valéry en 1931, alors ce n'est pas un historien, Paul Valéry, mais il s'intéresse à la question des États-nations, qui va publier Regard sur le monde actuel, où il évoque la variété des processus de construction des États-nations. Qui dit en fait que c'est quelque chose d'un peu insaisissable. Il y a Hans Kohn qui va en 1941 publier The Idea of Nationalism, où il oppose, et c'est très très intéressant, j'y reviendrai dans ma petite conclusion tout à l'heure, la nation civique et libérale à l'occidentale en Europe, hein, à une nation, on va dire, de l'Europe de l'Est, de l'Europe orientale, qui est plus organique, qui est plus autoritaire. Miroslav Hroch, qu'a évoqué tout à l'heure Nicolas, qui en 1968 va décortiquer les processus de construction d'État-nation dans l'Europe centrale et orientale. Et d'ailleurs, il initie un mouvement de redécouverte de ces questions. Il y a un temps très fort dans les années 70 et au début des années 80, initié par l'historiographie anglo-saxonne. Alors, Charles Tilly, 1975, Ernest Gellner, bien connu également pour ses travaux sur le populisme, 1983, Benedict Anderson, l'imaginaire national, 1983,
Eric Hobsbawm. En fait, dans cette période, on s'oppose à l'approche essentialiste, hein, qui était présente jusque-là, par une approche constructiviste, et Benedict Anderson est assez emblématique de ce phénomène, puisqu'il parle de la nation comme d'un mythe véhiculé par la propagande d'État. Alors en France, relevant de ce courant, on peut évoquer bien sûr Suzanne Citron, hein, le mythe national en 1987, hein, John Breuilly qui dit que les nations émergent des États et non l'inverse, hein, donc c'est le processus étatique qui va créer et forger la nation, et puis Anne-Marie Thiès que tu évoquais tout à l'heure en 1999 avec la création des identités nationales. Alors parallèlement, il y a un très fort accent sur les approches transnationales à ce moment-là, puisqu'il y a un échange en fait d'expériences qui s'opère, une circulation des modèles. Politiquement, je ne vous apprends rien, on est à ce moment-là dans l'effondrement du bloc soviétique, on est dans l'affirmation de l'Union européenne, acte unique en 86, traité de Maastricht 92-93, et le nationalisme est perçu comme un véritable danger par beaucoup, et d'autres à l'inverse qui disent que pour la défendre, cette nation, ces États-nations, c'est le cadre d'épanouissement obligé de la démocratie. C'est là qu'interviennent les premiers très grands travaux de Jürgen Habermas, qui défend l'idée d'un patriotisme constitutionnel pour faire contrepoids à ces États-nations qui peuvent être dangereux, mais aussi à la mondialisation. Et son élève principal, qui est un Français, qui s'appelle Jean-Marc Ferry, va même aller plus loin, à la fin des années 90 et au début des années 2000. L'un de ses ouvrages emblématiques, c'est « La question de l'État européen », qui paraît justement en 2000, puisqu'il parle de l'Europe comme État post-national. Alors on revient sur tous ces aspects dans un livre qui est issu lui-même d'une journée d'études que nous avons publié en 2018, « Qu'est-ce qu'une nation en Europe ?», qui réunissait des historiens, un philosophe, un politiste, un sociologue, deux économistes, et ouvrage pour lequel Pierre-André Taguieff nous a donné une postface dans laquelle il questionne le macronisme. On était au moment où on a conçu ce livre, au moment de l'élection d'Emmanuel Macron. Comment Emmanuel Macron se situe par rapport à ça? Alors, pour terminer, je voudrais aller vers l'actualité la plus récente, parce que bien évidemment, les crises qu'on a connues dans les années 2000 ont fait ressurgir les États. Je pense à la crise des subprimes. On a vu, on peut approuver ou ne pas approuver, je ne prends pas parti bien évidemment ici, le rôle très actif de Nicolas Sarkozy dans cette crise et le rôle qu'ont pris les États pour lutter contre cette crise. Hein, ce n'est pas l'Union européenne, mais les différents États aussi qui ont été à la manœuvre. On voit bien évidemment aussi aujourd'hui la crise des migrants, avec une crispation dans l'Europe de l'Est, la constitution du groupe de Visegrad, hein, qui s'oppose avec ses barbelés et tout, et qui rétablissent les frontières. Donc tout ça pour dire qu'on a une véritable question d'actualité. Là-dessus, bien évidemment, le Brexit, hein, avec le risque d'éclatement du Royaume-Uni, de sortie de l'Écosse. Là-dessus, bien évidemment, la crise catalane, même si aujourd'hui elle est un petit peu moins évoquée. Là-dessus, bien évidemment, dans un pays qui était au rebours complet de cette problématique, les États-Unis d'Amérique, l'élection de Donald Trump. Donc ça aussi, c'est de ce point de vue extrêmement fascinant, alors que s'affirme, et je vais conclure avec lui, un autre modèle qui est incarné par l'homme qui est arrivé au pouvoir au Canada en 2015, qui est Justin Trudeau. Justin Trudeau, et je vous y renvoie, a publié dans le New York Times, c'était 15 jours après sa victoire, un très grand article dans lequel il dit qu'il veut faire en fait du Canada le laboratoire d'une société, je le cite, multiculturelle et dénationalisée, en d'autres termes, le premier État post-national. Donc tout ça pour vous dire que la question est d'actualité. Bien, mais merci beaucoup Eric, parce qu'effectivement c'est une question qu'on s'est posée quand on a participé à l'élaboration des programmes d'histoire, qui est cette question du lien avec l'actualité. Là aussi je pense qu'il faut rester prudent, parce qu'il y a aussi tout un discours qui fait de l'histoire et de l'histoire scolaire une simple production idéologique commandée directement par une époque. Or dès qu'on travaille sur les programmes scolaires dans la durée, on se rend compte qu'il y a des constantes remarquables. Et les enseignants le savent. C'est-à-dire que chaque fois qu'on voit arriver de nouveaux programmes, on voit
tout ce qu'on peut réutiliser. Et c'est pas uniquement parce qu'on serait paresseux ou quoi que ce soit, c'est simplement parce qu'il y a des fondamentaux de la culture historique. C'est difficile d'envisager un programme scolaire sans la Renaissance. C'est difficile d'envisager un programme scolaire sans les Lumières à un moment donné. Voilà. Bien évidemment, c'est des choses qui font partie, qui sont pas arbitraires. Et puis il y a aussi l'inscription du programme dans son époque, qui est légitime dans la mesure où l'histoire scolaire a toujours assumé une fonction citoyenne et une fonction d'ouverture au monde. Hein, on sait très bien que l'histoire scolaire, elle est toujours équilibrée entre citoyenneté et recul critique, sachant que dans le cadre de la citoyenneté républicaine, le recul critique fait partie de la citoyenneté. Ce n'est pas non plus une opposition absolue. Si on devait caractériser les programmes précédents de ce point de vue, alors j'avoue que n'y voyez pas une critique, parce que quand on travaille à la fabrique des programmes, on prend un immense respect pour les programmes précédents, qu'on a parfois critiqué allègrement, parce qu'on commence à voir, dans la contrainte technique, les solutions. Et des choses qui paraissent absurdes, on dit, pourquoi ils ont fait ça, franchement. Ah oui, d'accord, c'était leur manière de répondre à la question. Il y avait, dans la partie qui était lisible de ce point de vue, j'insiste bien là-dessus, deux horizons qui semblaient importants, et qui correspondaient à l'époque d'élaboration, c'est l'horizon européen, tel qu'on pouvait le voir à l'époque, et aussi l'horizon d'une forme de généralisation de la social-démocratie. Hein, la fameuse question, le socialisme allemand et l'essence de la social-démocratie, était aussi liée à ça. Et on voyait qu'il y a toujours une sorte de pari sur l'époque, ou en tout cas une vision de l'époque dans les programmes. Et quand on se remet dans le contexte d'élaboration des programmes, c'est pas du tout absurde. Et alors effectivement, quand on a travaillé sur ces programmes, nous aussi on a un contexte. Et effectivement, dans ce contexte, il y a plusieurs éléments qui me semblent importants. Il y a d'abord un élément sur l'Europe, qui a été important pour nous. Non pas un abandon de l'horizon européen, mais un constat du fait que, tout simplement, que l'UE n'est pas fédérale, que l'UE est organisée sur deux logiques, fédérale et confédérale. Et actuellement, par exemple, il y a le projet autour du Conseil de l'Europe, qui n'est qu'un projet pour l'instant, hein, d'un observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe. Et quand on regarde dans ce projet, il y a à la fois l'idée de comprendre les points communs des histoires européennes, mais aussi de favoriser l'interconnaissance des différentes histoires nationales. Je pense que un des blocages de, là ça n'engage que moi ce que je vais dire là, mais qu'un des blocages dans l'opinion de l'Union européenne, c'est justement la difficulté à articuler le national et l'européen. Et pas seulement le national propre, le national français, mais aussi le national des autres pays. Et effectivement, ben, on est dans une époque qui est marquée par la réflexion sur le Brexit, où Eric évoquait tout à l'heure la crise catalane, mais la crise catalane, c'est intéressant de ce point de vue, parce que le pari de ceux qui voulaient une indépendance de la Catalogne était quand même que l'Europe était une sorte d'Europe des régions qui allait intervenir pour les soutenir. Or, ils se sont heurtés au fait que l'Union européenne est une union d'États souverains. Et au fait que la citoyenneté européenne, par exemple, ce qu'on le sait pour l'avoir tous enseigné en EMC, que la citoyenneté européenne n'est qu'un prolongement des citoyennetés nationales. Donc l'idée de penser la nation, effectivement, bon, on ne va pas refaire les développements sur la revanche des nations, etc. C'est vrai que sur le plan culturel, idéologique, c'est vrai que l'affrontement qui a quand même peut-être le plus visible idéologiquement du XXe siècle, pour aller vite, entre libéralisme et socialisme, fait partie de, enfin, met en jeu deux conceptions qui avaient tendance souvent à relativiser l'aspect national. Et la nation est un peu le troisième terme, un peu impensé, et qui surgit maintenant. Et qui surgit aussi dans le monde multipolaire. C'est quand même extrêmement important. Alors, est-il ou pas multicolore, on ne va pas lancer le débat, parce que là, on en aurait pour trois jours. Mais ce monde multipolaire se lie entre le transnational et le national. Donc, il nous a semblé qu'une réflexion sur la construction des États-nations, sur la construction de l'État,
sur les nations, sur les relations internationales, n'était pas quelque chose qui était impertinent aujourd'hui. Bon, c'est la conception qu'on a eue. Si ça se trouve, dans 15 ans, dans 10 ans, ou même avant, cette conception, parce que tel grand événement sera produit, telle évolution sera produite que nous ne prévoyons pas, semblera totalement impertinente. Et c'est bien pour ça qu'il y aura d'autres programmes faits par d'autres gens et avec ce même mélange de permanence et de nouveauté. Hein, un programme scolaire n'est qu'un aggiornamento récurrent, passionnant, mais limité et effectivement comportant à l'arrière-plan pour une partie de ce programme une lecture du monde autour qui a ses limites. Donc, ça nous a semblé quelque chose d'important. De même que ça nous a semblé important d'assumer en première un certain centrage sur la France. Il y a aussi un autre pari. J'en ai parlé tout à l'heure, mais l'idée que... tu as parlé tout à l'heure de la complexité de 1848, pardon. Et disant que, finalement, il y a une logique démocratique, une logique libérale, une logique nationale, et qu'elle ne se superpose pas tout à fait. Ce sont des grilles d'analyse qu'on ne peut avoir que dans l'histoire du XIXe siècle, même si on peut en trouver des précédents et des prolongements. Or, ces grilles d'analyse aujourd'hui sont des grilles d'analyse qui fonctionnent pas mal. Hein. D'une certaine manière, la connaissance de l'Europe d'avant 1914, aujourd'hui, quand on essaye de penser les relations internationales, c'est assez utile. De même, on a essayé de remettre des relations internationales. Alors, on y a été doucement, mais c'est vrai que, je pense à ce qu'on vient d'entendre là, c'est aussi très intéressant d'un point de vue méthodologique, parce que ce sont des lieux où on peut mesurer le poids des acteurs. Et on a un problème récurrent qui est... l'idée très déterministe que nos élèves gardent de leur enseignement d'histoire, alors même que ce n'est pas ce qu'on leur enseigne. C'est quelque chose de très particulier. Mais c'est vrai que si on ne descend pas au niveau des acteurs et qu'on est au niveau des grandes évolutions, telle cause produisant tels effets, etc., on en vient à une vision très déterministe. Or là, on se rend compte que pour des choses qui ne sont quand même pas anecdotiques, je veux dire, l'unité italienne, l'unité allemande, c'est pas anecdotique, ça pèse dans l'histoire. On se rend compte qu'il y a ce mélange de conditions, de situations, de ressources et de contraintes de situation et de choix des acteurs individuels et collectifs. Et je pense que si on ne descend pas à cela à un moment donné, bien sûr, on peut pas y être tout le temps, autrement, il faudrait des mois et des mois de cours à plein temps, mais si on ne descend pas de temps en temps à ce niveau... Qui choisit quoi, pourquoi, dans quelle situation et quelle analyse il en fait, on restera à une vision très, très déterministe des choses. Donc ça me semble aussi intéressant épistémologiquement. Et puis je voudrais, pour terminer, parler un petit peu de la citoyenneté, de la spécialité, mon Dieu, de la spécialité histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Bien évidemment, le fait d'introduire la géopolitique, là aussi, alors là, ça ne relevait pas des gens qui élaboraient les programmes, c'était déjà défini de façon ministérielle, mais ça montre aussi cette interrogation qu'on a actuellement sur l'ordre du monde, et ce qu'on essaye de faire, là aussi, toujours pari parfois perdu, hein, c'est d'outiller nos élèves à poursuivre, s'ils le désirent, leur réflexion sur l'ordre du monde et à comprendre l'actualité avec un peu de profondeur. C'est ce qu'on essaye de faire. Quand on a, par exemple, en première, le thème sur les frontières, là, on est tout à fait dans ce type de choses. En essayant d'avoir une vision un peu moins simplounette des frontières, en mobilisant la géographie, la géopolitique, en mobilisant, il y a tout un travail en géographie sur les frontières qui est considérable, et en mobilisant aussi l'histoire, hein, je pense à la frontière au XXe siècle entre l'Allemagne et la Pologne. Bon voilà, qu'est-ce qui fait une frontière? Qu'est-ce que c'est qu'une frontière? Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a bouge? On est dedans. Quand on a en terminale le thème « faire la guerre,
faire la paix, il y a aussi derrière une interrogation. Quand on n'est plus dans des affrontements entre nations, hein, quand on n'est plus dans des affrontements entre États, qu'est-ce qui se passe ? Quel est bon ? Donc, on a essayé de ce point de vue-là d'être en prise. Mais, et je terminerai véritablement par cette phrase-là, on n'est pas en rupture avec ce qui se faisait avant. Je veux dire, il y a toujours eu de la chronologie dans les programmes. Simplement, entre chronologique et thématique, l'histoire c'est chronologico-thématique. Il n'y a rien à faire. Selon les programmes, on insiste plus sur la chronologie. On insiste plus sur le thématique. Mais on est resté dans cette logique d'essayer de situer nos élèves à trois échelles, trois espaces de référence dans lesquels ils vont avoir à penser et éventuellement, pour ceux qui le désirent, à agir, la nation, l'Europe, le monde. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose qu'on peut appeler une tradition de notre enseignement d'histoire-géographie. Alors, que vous voulez. Battez-vous. Je vous en prie. Allez. Merci. Alors justement, moi je comptais partir et je pense que vous verrez la convergence de la prise de conscience par l'élève de son appartenance à l'histoire de la nation, de l'Europe et du monde, c'est-à-dire les finalités du programme telles qu'elles sont exprimées dans le préambule. Et je pense que c'est vraiment un élément central, la question des valeurs, des connaissances et des repères à identifier pour les enseignants. Dans une première approche de cette thématique et de l'approche du programme, il me semble que c'est vraiment central. Alors, la question des nationalités, moi je voudrais aussi rappeler que d'abord c'est aussi potentiellement une question socialement vive dans nos classes. Ça peut être une question sur laquelle on vous interroge avec une certaine virulence pour les élèves. Et je crois qu'il faut donc être en position d'expertise sur ce sujet et prêt à répondre sur les quatre grandes notions qui tournent autour de cette question, qui sont la notion de nationalité, bien sûr. Alors je crois que ce matin ça a été largement présenté, la notion de nation, et je rajouterai aussi être capable d'expliquer les différentes conceptions du nationalisme. Pour un enseignant du secondaire, ça me semble absolument central, voir le patriotisme, les mouvements nationaux, qui sont des questions qui tournent autour de ça. Donc il faut s'y tenir prêt, et au temps où on remarque parfois des tensions au sein du pays, hein, les communautarismes, les particularismes, même à l'échelle européenne d'ailleurs, hein, être capable de replacer les choses dans un cadre plus large, ça me semble important. C'est une histoire politique qui peut être vite sulfureuse, et qui a des liens aussi avec des chapitres dans lesquels les enseignants sont très à l'aise, je pense, notamment à la guerre de 14. On clôt un cycle mémoriel qui a été quand même largement rebattu. Je vous renvoie d'ailleurs à l'ouvrage de Canopé, hein, sur les enseignements à tirer du cycle pédagogique et des assises pédagogiques qui se sont tenues à Bordeaux. Ça me semble important. J'aurais tendance aussi à toujours mettre en garde les collègues sur effectivement une approche peut-être un peu trop franco-centrée. Et je trouve que ce programme justement permet cette ouverture, cette histoire mondiale, cette histoire mondialisée ou globale, comme vous voudrez, avec des ouvertures vers l'Europe. Et je trouve que ça ressortait parfaitement des présentations de ce matin et du monde, avec les révolutions atlantiques à d'autres moments aussi. Donc ça me paraît un élément central. Alors sur la bibliographie, je voudrais rajouter que ne pas oublier aussi, de mon point de vue, des manuels d'une approche simple. Je pense à Caron et Vernus qui peuvent être un appui intéressant. Je pense que c'est important de les citer aussi pour nos collègues. Je pense aux documentations photographiques qui peuvent être des apports importants. Le dernier sur les lieux et symboles de la République, c'est pas directement le sujet, mais
ça peut quand même être connexe, des articles importants de Vinoc qui m'ont toujours, moi, interpellé, intéressé. Donc je vous renvoie à tout ça. Je tiens évidemment aussi à votre disposition ces références, si vous le souhaitez. Je renvoie également vers un site de l'Académie de Poitiers qui traite de la question, qui fait un point sur la bibliographie pour aborder la question des nations. Donc ça peut vous aider aussi. Nous sommes dans une région académique, donc ça me semble important. Sur le lien avec les programmes, ça me semble important de dire un petit mot là-dessus. Donc je voudrais dire que cette question des nationalités, pour le collège, c'est une question que, après l'avoir particulièrement regardée à nouveau, est traitée de façon relativement secondaire au collège. On est sur une question complexe. Donc c'est vraiment au lycée, et je crois que c'est l'esprit du programme, que d'aller traiter cette complexité davantage au lycée. Donc il faudra bien prendre en compte pour les enseignants de lycée le fait que cette maîtrise globale des grandes notions que j'ai exprimées tout à l'heure, elle sera loin d'être parfaite pour des élèves de collège. Hein. Les acquis seront limités quand même hein, sur cette question des nationalités, me semble-t-il. On l'évoque pour le programme de 4e sur la Révolution française et l'Empire, bien sûr, sur la conquête et les sociétés coloniales, sur voter en France. Sous la Troisième République, en quatrième, et puis évidemment avec les conflits mondiaux, les deux guerres mondiales, françaises et français dans une République repensée, en classe de troisième, mais ça reste quand même très, très limité. Hein. Donc au lycée, en revanche, moi je vois déjà des approches intéressantes dès la seconde, avec l'EMC. Pas oublier qu'on peut aborder ces questions avec la liberté, l'espace d'exercice des libertés d'une république indivisible, la question de la démocratie locale, de la nation et de l'Europe est au programme. En seconde, évidemment, avec les derniers chapitres de l'année hein, que vous avez brillamment présentés pour ce qui concerne du point de vue scientifique, hein, Madame Adane. Donc avant la Révolution. Il se passe des choses autour de l'idée de nation du côté de l'Angleterre ou des États-Unis. Et puis, peut-être en France aussi d'ailleurs. je vous renvoie à Jean-Clément Martin aussi. Je suis en train de lire justement cet ouvrage sur la nouvelle histoire de la Révolution française et il parle justement de la naissance de la nation avant la Révolution. Donc c'est intéressant à voir aussi. Pour la géographie, je pense aussi au thème de seconde sur les migrations et les mobilités et le thème conclusif sur l'Afrique australe. On peut évoquer aussi ces questions. Alors je crois qu'on pourra en parler cet après-midi. Sur la classe de première générale, alors là, on est vraiment sur le centre, c'est le programme qui est complètement centré sur nation, empire, nationalité. Alors, je vais aller très vite, mais il me semble qu'il y a quatre temps importants pour les élèves. La Révolution française et la naissance de la nation, bien sûr. Le congrès de Vienne de 1815, qui doit être évidemment un repère important pour nos élèves, je pense. Les révolutions de 1848. Troisième temps, bien sûr. Alors, je remercie M. Anceau pour cette clarification et ces éléments qu'il nous a apportés ce matin. Et puis, il me semble que 1914 est aussi un repère central avec la question de l'affrontement autour de l'idée nationale, seulement, point d'interrogation, et la question du nationalisme ou du patriotisme. Je ne reviens pas sur les acquis de la recherche sur ce point. En tout cas, cette question... Elle me paraît donc le fil conducteur de tout ce programme de première. On le retrouve bien sûr dans l'Europe face aux révolutions, qui est le chapitre 2 du thème 1. Pour le thème 2, la France dans l'Europe des nationalités, politique et société, la question de. Et le chapitre 3 particulièrement, unité allemande et italienne. Et je pense également à tout ce qui concerne le rôle de la France dans cette construction, comme ça a été très bien expliqué. Je voudrais aussi insister sur les liens, alors comme M. l'inspecteur général le disait, avec HGGSP, histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Il y a quatre thèmes sur cinq qui
représente l'idée de nationalité ou de nation. Hein. Donc les frontières, évidemment, mais pas seulement. Je pense au jalon majeur de l'affaire Dreyfus pour les médias. On va en parler, on en parle beaucoup en ce moment. Hein. Et pas que pour le cinéma, hein. Je trouve que c'est un élément important. En classe de première technologique aussi, je voudrais rappeler que c'est une question qui a aussi interrogé. On est sur une culture commune, donc je pense que c'est très important. En terminale, ne pas oublier aussi de reposer cette question au vu des régimes totalitaires, peut-être. Alors, je pense que ça sera à voir pour l'an prochain, ces questions-là. Mais également la question du chapitre 3 de terminale sur la Seconde Guerre mondiale, avec la question de la collaboration par Vichy et la Résistance, qui interroge la conception de la nation. Évidemment, la question des génocides. La nationalité ne protège pas toujours. Donc ça, c'est un élément important, je crois, aussi. Thème 3, thème 4 de terminale, également avec les nouvelles formes de conflits. Voilà. Donc, je ne développe pas plus. Sur la mise en œuvre, je vais aller là aussi très vite, mais il me semble important de dire aux collègues enseignants qu'il s'agit de donner du sens et de répondre aux questions des élèves. Nous voulons insister sur l'idée d'éviter de tomber dans le piège majeur qui pourrait constituer la volonté d'être exhaustif sur ces questions. On pourrait étudier ça pendant un semestre, hein, sans problème, chaque chapitre. Il s'agit donc de limiter le nombre de dates, de faits, d'en sélectionner les plus signifiants, et à chaque fois de replacer par rapport à la thématique générale. Je voudrais aussi insister sur le fait que la question des nationalités, elle est propice au récit historien. Il doit pouvoir exister au lycée. Et elle est également un élément très intéressant, je pense, de l'approche des documents. Je crois que pour un élève, être confronté au discours de Renan une fois dans sa scolarité, c'est particulièrement important. Peut-être le mettre en perspective avec d'autres, peut-être aussi lui montrer les débats qui animent la communauté historienne autour de l'idée de nation. Évoquer aussi peut-être les travaux de la socio-histoire, de travailler sur ces questions. Je pense à Dominique Schnapper, qui peut être intéressante à lire pour des élèves également, et à confronter à ses avis. L'incarnation dans des personnages, vous l'avez très bien dit, moi je trouve que c'est vraiment un moyen majeur de mobiliser les élèves, incarner dans des lieux également, les monuments, c'est fondamental, et donc varier les approches dans les cours. J'insiste sur cette approche. Varier les supports, faire travailler les élèves à l'oral, utiliser des schémas heuristiques, les faire produire, les faire chercher, nous semble particulièrement important pour gérer au mieux l'hétérogénéité des classes de lycée. Enfin, penser à intégrer bien la parole des élèves, qui me semble ont des choses à dire sur ces sujets, en tant que citoyen, futur citoyen, et au lycée, ça peut être extrêmement intéressant. Voilà, je terminerai simplement en rappelant que notre discipline y trouve vraiment sa crédibilité quand elle interpelle les élèves, quand elle les passionne, et donc on vous fait totalement confiance pour ça. Voilà, je vous remercie. Merci. Voilà, merci beaucoup. Chers collègues, j'aimerais d'abord me remercier les organisateurs. Je serais très reconnaissant parce qu'ils m'ont laissé en plus 10 minutes en début d'après-midi pour présenter un petit peu les dernières activités, les ressources surtout de l'Association des professeurs d'histoire et géographie. Et donc je suis très heureux d'être là, hein, entre deux trains pour revenir dans mon... ma ville natale. Effectivement, prendre aussi un temps avant de répondre à la commande là qui est faite, où je rajouterai absolument pas de choses originales. Simplement peut-être sur quelques points sur les programmes et sur ce que la PAG essaie d'apporter. Je voudrais d'abord dire que ces journées, et donc l'Aquitaine en est un très bon exemple, sont extrêmement importantes pour l'association, parce que l'association nationale, c'est sur le terrain en réalité, hein, c'est qu'on peut
peuvent se retrouver. Le combat de l'association passe d'abord par le lien et par l'excellence de l'offre. C'est à la fois notre vitrine, notre raison d'être et ce pourquoi on est reconnu comme partenaire éducatif et d'intérêt général. C'est-à-dire que c'est cette excellence de l'offre qui est proposée. Et donc c'est vraiment un honneur pour moi de vous accompagner aujourd'hui et d'assister à cette formation. Je voudrais dire aussi un mot plus personnel en une phrase, en disant que je retrouvais hier soir le carnet, le programme de la journée de 2007, qui était présidé par Éric Bonhomme, ici présent. Je pense que c'est la première journée à laquelle j'ai assisté, j'étais étudiant encore. Donc c'est pour dire que les formations des régionales, ça sert aussi de formation continue, mais de formation presque initiale. Et donc ça peut donner, comme moi, des professeurs dans l'Académie de Versailles, par exemple. Voilà. Sans qu'on soit très, très malheureux. Voilà. Donc ça, c'est quand même important. Alors, je voulais dire un mot, évidemment, sur les programmes, et puis quelques points qui m'ont paru importants, notamment dans ce qu'on a ici entendu, qui est vraiment très heureux de l'avoir entendu, et puis dans ce qu'on a essayé d'apporter avec l'association nationale. L'histoire-géographie est au cœur du tronc commun, ça a été dit, et marque le retour de l'histoire politique dans les programmes. Alors, j'aimerais d'abord qu'on rappeler une chose, c'est que pour nous, à la PAG, on pense que les programmes, quels que soient les textes finalement, et on est d'accord sur cette continuité, c'est d'abord un jeu à trois. Voilà. C'est un jeu à trois entre le texte officiel, les instructions, les prescriptions, le professeur, qui en est le maître d'œuvre, et les programmes. Voilà. Et ça, il ne faut pas oublier ça, sachant qu'on a aussi la question, et ça a été dit ici, des débats publics. Alors, plus en histoire qu'en géographie, ça fait moins polémique, on verra peut-être, encore que, il y aura moyen, on dira quand on évoquera, je pense, la spécialité, on a parlé des frontières, des migrants. J'en profite pour dire que la revue Histoire et Géographe que je dirige, le dernier dossier était celui qui est sorti en août-septembre, était consacré à la question des frontières dans le cadre du festival de Saint-Dié. Donc là, avec des articles dans l'actualité, je vous renvoie par exemple à ce qu'a écrit Catherine Vitol de Venden, qui est remarquable, sur cette question, sur la société française, l'histoire de l'immigration, etc. Dire aussi, puisqu'on parlait de république et de républicanisme, pour parler comme les collègues du CEDRE, avec qui on publie le prochain dossier, donc au début décembre, dans lequel vous pourrez lire Éric Anceau, ici présent, dans un article sur 1848, qui sera très utile aussi comme mise au point pour nos collègues. Donc un dossier donc, d'Histoire et Géographe 448 sur ces questions. Donc je reviens à cette question. C'est un jeu à trois, et donc il ne faut pas oublier que le programme n'est pas non plus le manuel. D'ailleurs, dans l'académie, la région académique qui est la mienne, nous n'avons toujours pas nos manuels, d'ailleurs. Bon, donc comme quoi on peut tout à fait, voilà, c'est un choix de la région, bon, voilà. Mais c'est comme quoi c'est ça qui est important. Donc il faut bien voir que entre ce qu'annoncent les textes, c'est ça que je voulais dire, et ce qui se fait réellement en classe, il existe, et c'est normal, des filtres, des médiations, des interprétations, on les a vues, elles sont inévitables, elles sont nécessaires. Et donc, nous, notre rôle, c'est donner à connaître, à faire comprendre auprès de nos élèves, et on est très sensible à la PAG, au fait que l'histoire est un objet politique, et ces programmes en première, en histoire comme en géographie, nous permettent, je pense, d'en tirer des leçons très utiles pour nos élèves, pour vivre ensemble, pour essayer aussi d'éduquer un sentiment d'appartenance qui cimente une communauté de destin. C'est bien ça aussi un des rôles du professeur d'histoire. C'est à nous qu'il revient de rendre possible ce projet fondateur. Il y a aussi une autre dimension qui est apprendre à entrer dans la complexité des choses. Et ça, je pense qu'on peut aussi y arriver par là. La question du débat public, évidemment, j'en dis un mot, comme dirait François Adolphe. La France est censée s'agiter par les résonances scolaires des usages publics de l'histoire. C'est un pays saturé de mémoire. Un des héritages des anciens programmes et qui sont conservés en partie, alors on verra plutôt en terminale, qui sera en application en 2020-2021, c'est la question articulation entre histoire et mémoire.
Voilà. Peut-être de ce point de vue-là, on l'avait dit, parce que la PSG est reçue voilà, par les différentes instances, l'inspection, le CSP, le ministère, le ministre en personne, qu'on a vu deux fois hein, depuis sa prise de fonction, c'est de dire... finalement ici que il y a peut-être un manque qui était de conserver la question histoire et mémoire de la Seconde Guerre mondiale, même si on aura la guerre d'Algérie qui va prendre toute sa place et donc qui sera intéressante justement pour nos élèves, là aussi une question vive à enseigner. Ce que je voulais ajouter enfin, c'est que dans les programmes de première ici, donc la table ronde parle des nationalités. Il y a quelques points auxquels on est extrêmement sensible. Alors, d'abord, c'est sur l'historiographie, c'est les constructions nationales, donc ça a déjà été dit, donc je passe très vite, qui ont acquis une place prépondérante dans ces nouveaux programmes. Je pense que c'était une demande à la fois de l'association et des enseignants, parce que l'association n'a de raison d'être qu'être une caisse de résonance des enseignants. C'est pourquoi on fait de nombreuses enquêtes. Et donc, il y en a une qui est toujours disponible sur notre site. Je vous invite, ça prend deux minutes, hein. Je vous invite vraiment à pouvoir y participer. Aussi en collège, en classe de quatrième notamment, dans le programme de la voie professionnelle, sur lequel, à Historien Géographe, on a décidé de publier bientôt des mises au point, hein, là aussi. Et puis également, il y en aura sur le site, sous forme de vidéo notamment, parce que ça nous semble extrêmement important, notamment avec une réforme sur le lycée professionnel qui est vécue de manière un peu difficile, il faut le dire, par les collègues, c'est les retours que l'on a. Et donc c'est important de faire attention à cette formation continuée. Aussi, dans ces constructions nationales, elles ont nourri un regain d'intérêt, on l'a vu, hein, dans ces différentes tables rondes, de la part des historiens, alors qu'elles ont été parfois délaissées. Donc c'est là un deuxième point important pour la PSG, qui est l'articulation entre le savoir savant et le savoir non moins savant, qui est celui de la dignité de notre métier de professeur, qui est la recherche pédagogique, qui est la recherche didactique, qui a une expertise et une profonde... Je le crois voilà, profondément, hein, solidarité de métier entre le supérieur et le secondaire, et puis aussi nos collègues de l'enseignement primaire, qu'il ne faut pas oublier, c'est extrêmement important. Et donc l'enjeu ici, d'un point de vue de la transposition didactique, c'est de réévaluer toutes ces questions, au-delà de l'approche classique hein, qu'on a évoquée, des mouvements nationaux et libéraux. Alors certains ont critiqué en disant qu'il y avait une tonalité politique, militaire, franco-centrale. On ne pense pas, nous, à la PSG ici, dans ce qu'on a lu, dans ce qu'on met en œuvre avec les élèves. Je crois, en revanche, qu'on peut se servir de ces programmes en suivant, depuis de nombreuses années, l'apport de l'histoire sociale et culturelle pour relire hein, le 19e siècle européen dans une perspective comparative, ça a été dit bien brillamment à l'instant, mais aussi en montrant les différentes dynamiques conflictuelles, la variété des scénarios possible. Je crois que c'est intéressant de l'évoquer avec les élèves, quand on parle par exemple des processus de construction nationale. L'idée aussi de l'inachèvement de l'unité territoriale, notamment des deux grands exemples, je crois, hein, qui dominent le programme, l'Italie et l'Allemagne, avec un déséquilibre, je ne suis pas spécialiste, mais historiographique entre l'Italie hein, et l'Allemagne. D'ailleurs, ce sont des thèmes qui ont été évoqués, là du coup je fais un peu une page de publicité aussi, dans les tables rondes, on en a fait 9 présentées par la PEG au dernier rendez-vous de l'histoire de Blois, hein, dont une grande partie ont été soit filmées, soit à retrouver en podcast. On a également publié des comptes rendus sur le site auquel je vous renvoie. Donc ça me semble très important de partir de la construction d'un État-nation, d'abord sur un plan culturel et identitaire, jusqu'au projet territorial. Donc là, on peut revenir justement avec l'historiographie sur la question militaire et puis les différentes évolutions, et notamment, parce que notre programme va bien au-delà, le tournant des années 1880 avec l'évolution décisive, l'émergence du nationalisme comme projet politique, comme idéologie autour de l'exaspération de la nationalité, qu'il s'agisse soit de défendre, de soutenir par la guerre, etc. La dimension coloniale qui est présente aussi dans les programmes, qui me semble extrêmement important, et
jusqu'aux conséquences de la Première Guerre mondiale, puisqu'on va dans ce programme, si je ne me trompe pas, j'ai pas encore fait toute ma programmation, j'avoue, jusqu'en 1924, hein, avec voilà, et tous les apports, là, qui ont été évoqués d'ailleurs aussi par M. Anceau et M. Bondeux, sur la mission du centenaire, sur les conséquences là-dessus. Là aussi, vous avez, à ces différentes étapes que je viens de citer, différents dossiers d'historiens géographes qui peuvent vous accompagner de ces dernières années. Là, sur le point que je viens d'évoquer, sur la Première Guerre mondiale et ses conséquences, on a un article de Pierre Chancerel dans le prochain numéro. On a tout un dossier thématique qui date de 2018 et qui avait été coordonné avec la mission du centenaire. Voilà. Pour terminer, je voudrais dire que il y a un découragement, parce que moi je suis au secrétariat général de la PAG, donc on a une centaine à peu près de témoignages chaque trimestre. Donc je voudrais quand même tenir la parole aussi, parce que c'est notre légitimité. Puis ici, les membres du bureau national de la PAG n'ont pas de décharge, hein, donc on est comme vous complètement sur le terrain. Là, je viens ici aujourd'hui parce que j'ai pas cours en fait le mercredi, parce que j'ai de la chance. C'est que il y a un découragement qu'on peut percevoir parmi certains collègues qui sont des femmes et des hommes aux compétences multiples, qui sont confrontés à une tâche assez difficile, parce que si les programmes sont bien reçus de notre point de vue, on pourrait parler, d'ailleurs on le dit dans le prochain numéro, de peut-être de la place des femmes, qui peut-être assez présente, encore que Georges Sand, Michel, qui permet de faire de beaux travaux avec les élèves. En tout cas, je pense que il y a une problématique sur la mise en œuvre locale, avec parfois une absence de moyens, avec la question autour des évaluations en fait, hein, qui semblent les plus saillantes. Et donc cette journée-là et les échanges qu'on peut avoir entre nous et votre association, la PAG est là aussi pour ça. Ça serait pour nous, et c'est un appel presque que je lance, de prendre le temps d'une réflexion sereine et constructive. C'est-à-dire qu'on a besoin d'installer ces programmes-là. Alors, ça ne dépend pas des personnes qui sont à cette table, bien sûr, mais c'est une commande politique. Mais le temps pédagogique n'est pas le temps politique. Donc, je pense qu'on a besoin d'ancrer ces programmes dans la durée. On a vu ici, avec un aperçu, la nécessité d'une formation continue extrêmement importante. Ce sont des programmes très ambitieux. J'ai pas le temps, mais il y a toute l'articulation à faire, évidemment, avec l'EMC et avec le programme de spécialité, hein, où ces questions, comme ça a été évoqué par M. Nicolas, apparaissent et permettent de faire des liens et des passerelles qui sont extrêmement utiles et nécessaires, vu le cadre contraint, même si nous sommes plutôt moins malheureux que d'autres en termes horaires, hein, avec 3 heures en tronc commun, il faut quand même le dire, et c'est un acquis de l'association, ça je le répète à chaque fois. Voilà. Mais je pense que c'est quand même important. Et donc, à partir des situations concrètes que nous vivons, il faut vraiment qu'on prenne le temps de faire un bilan de l'enseignement de nos disciplines, qui sont en train de muter, de leur contenu, des méthodes, des procédures d'évaluation, qui sont extrêmement différentes aujourd'hui, avec les évaluations en cours de formation, avec donc les fameuses E3C, qui distinguent finalement notre évaluation classique était certificative à la fin, bon, on passe le bac, hein, voilà. Et puis, désormais, une évaluation qui se fait en cours de formation, c'est-à-dire comment, et ça c'est une question que j'ai à l'esprit avec mes élèves et qu'on a tous, hein, c'est comment faire en sorte que les évaluations puissent servir de point d'appui pour faire progresser les élèves ensuite, c'est-à-dire passer d'une évaluation qui était davantage certificative, si j'ose voilà, ce jargon, à une évaluation qui est formative. Voilà. Et donc ça, je crois qu'il faut aujourd'hui qu'on réfléchisse ensemble de manière sereine et constructive. Voilà. Et en tout cas, l'association, et donc là je reprends ma casquette de secrétaire national, est là pour vous accompagner aussi, de manière déterminée, ça vous pouvez compter sur nous, avec inventivité, je crois aussi, pour que les enseignements, dans les versions programmatiques nouvelles, et avec les modalités d'évaluation qui sont profondément modifiées, soient facilitées. Et donc je vous renvoie aux mises au point que nous faisons dans Historien Géographe, la revue, les vidéos sur le site que l'on multiplie, et puis encore une fois, les sessions de formation qui sont irremplaçables.
remplaçable ici, académique, pour lesquels votre investissement à toutes et à tous est décisif. Et c'est tous ensemble qu'on pourra effectivement, avec tous ces éléments, permettre une meilleure adaptation à ce qu'il faut bien appeler de nouvelles conditions de travail. Je vous remercie. Pour poser des questions avant de se sustenter au même endroit où on a bu un café. Voilà, je pense qu'en parlant fort, ça ne pose pas de problème. Je vais faire passer une bonjour, donc Laurent Estopézan, je suis professeur d'histoire au lycée Jean Jelet à Surbotte, donc une petite sous-préfecture enclavée, sans garde, tous les indicateurs sociaux, chômage, pauvreté, tout ça. Donc, je voulais vous interroger, j'ai suivi des collègues à qui j'ai demandé leur avis, sachant que c'est que les programmes sont démesurément ambitieux par rapport aux élèves que nous avons. Moi, j'ai des secondes à 35 par classe. Je me suis aperçu que certains, quand on a fait une carte pour placer l'Empire romain, la Grèce, tout ça, ne savaient pas placer l'Europe sur une carte du bassin méditerranéen, par exemple. Ils ne savaient pas que 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, pour la démocratie athénienne, c'était 2 siècles. Ils m'ont mis au devoir que Périclès était empereur romain, qu'il avait autorisé le christianisme. Donc j'ai l'impression qu'il y a une déconnexion totale entre ce qu'on dit aujourd'hui, où c'est une réunion fort intéressante, mais de l'entre-soi, de gens cultivés, qui savent des choses par rapport à la réalité qu'on a en place. Moi, concrètement, je prends 2 secondes. Je vais arriver à la fin de l'année en bataillant, j'en aurais fait la moitié. Mon objectif à la fin de chaque heure de cours, c'est déjà de ne pas les perdre en employant un vocabulaire compliqué. Et c'est qu'ils sortent tous à la fin de chaque heure de cours en ayant appris au moins une chose. Voilà. J'en suis pas plus loin que ça. Après, quand je vois le cours en 2 secondes, il y a 25 PPO pour l'histoire, il y a la géo à côté. Moi, j'en ferai la moitié et encore, je serai bien content. Donc, si on vient me voir en rendez-vous de carrière, ben, c'est ce que je dirais. Je fais ce que je ne peux pas faire plus. Et j'en suis arrivé à un point où, avec tous les nouveaux programmes, donc seconde, première, EMC, histoire géo, j'ai récupéré des heures de SNT aussi, parce que ça nous arrangeait bien pour garder les postes, et puis parce qu'il fallait bien quelqu'un qui les fasse. J'ai 4 nouveaux programmes, j'ai 2 TS en plus. Donc on est noyé sous la charge de travail, on ne peut pas tout savoir sur tout, notre culture universitaire est loin d'être limitée. Moi je suis comme petit certifié d'un lycée du fin fond de la France profonde. Donc je ne dirais pas que c'est un appel au secours, mais c'est la réalité du terrain que je suis en train de vous délivrer. On fait ce qu'on peut. Concrètement, on fait ce qu'on peut. Moi, j'ai dans mes classes des élèves qui passent plus de temps devant les écrans que dans les salles de classe. Alors s'il y a un conseil bibliographique que j'aurais à vous donner, si ça peut paraître prétentieux, ce serait le livre qui s'appelle « La fabrique du crétin digital sur le danger des écrans ». Parce que moi, je les ai dans mes classes, ces élèves. Et je suis bien obligé d'en faire quelque chose. Je suis dans une ville où on va peut-être avoir un maire Front National dans 6 mois. Donc on essaie de former les citoyens. Et je vous répète, on fait ce qu'on peut. Et à la fin de l'année, si j'ai fait la moitié du programme, ben je me serais déjà bien content de moi, je ne peux pas faire plus. Voilà, je... Chers collègues, on entend ce que vous dites et je pense que parmi les gens qui sont dans cette table... Je vous entends, mais m'entendez-vous? Voilà. Donc... Donc, à vous de savoir s'il s'agit d'une question ou s'il s'agit juste d'un témoignage. Si j'ai un témoignage, je respecte, vous témoignez de ce que vous vivez, vous avez tout à fait le droit. Si ça vous intéresse qu'on vous réponde, je veux bien vous répondre. Bon, voilà. Donc, il y a une question qui est importante dans ce que vous dites, c'est l'ambition. L'ambition des programmes. Et effectivement, ces programmes ont une ambition. Mais il y a derrière une ambition qui est celle de la réforme. Et l'ambition de la réforme, c'est
non pas de restaurer parce qu'il a totalement perdu, mais de bien positionner le lycée général en lien entre le collège et l'enseignement supérieur. Ça part d'une réforme du bac, et dans l'idée, c'est d'essayer de donner aux élèves ce qu'il faut pour qu'ils réussissent dans l'enseignement supérieur. On essaye de le faire en termes culturels. Je vois très bien les problèmes que vous dites, c'est-à-dire quels sont les acquis des élèves au sortir du collège, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais relativement, on a essayé au maximum de permettre de rentrer de façon concrète par ces sujets-là. Vous voyez, j'entends ce que vous dites, mais nous, quand on a mis Périclès pour parler de la démocratie athénienne, on s'est pris le reproche inverse des gens. En disant finalement, c'est beaucoup trop simple, c'est biographique, c'est pas assez ambitieux. Donc on a essayé au maximum de rendre ces programmes praticables. Est-ce qu'ils le sont partout? Est-ce qu'ils le sont tout le temps? Est-ce qu'ils le sont avec tous les élèves? Effectivement, c'est une véritable question. Donc, je ne suis pas tout à fait convaincu par, comment dirais-je, la déconnexion totale. Et je ne suis pas tout à fait convaincu que quand on a les problèmes que vous dites, les gamins qui sont sur les écrans, etc., c'est en abaissant de façon continuelle l'ambition qu'on a pour eux, qu'on va les aider. J'en suis vraiment pas convaincu. Alors effectivement, des fois, on n'arrive pas à terminer le programme. Des fois, c'est compliqué. Je vous rappelle qu'on a beaucoup insisté dans les formations sur le fait que les points de passage et d'ouverture, ça peut parfois être deux documents. Et ça peut parfois être quelque chose de plus long. Si on a la lecture, je vais passer une heure sur chaque point de passage et d'ouverture, je suis d'accord avec vous dans ce cas-là. Le programme est infaisable. Mais on a vraiment insisté là-dessus. On a vraiment insisté aussi sur le fait qu'on peut parler aux élèves, leur raconter des choses. Ce que beaucoup de nos collègues, et les trois quarts de nos collègues, savent déjà. Mais ce qui n'est pas toujours dit officiellement. Qu'on peut parler, qu'on n'est pas obligé de leur faire retrouver le concept de Renaissance pendant deux heures avec quatre documents et cinq questions. Que le concept de Renaissance, on peut leur donner. Et qu'on peut après, sur un travail, sur un document, vérifier qu'ils l'ont bien compris. Il y a des paris dans ce programme. Et on a essayé aussi d'incarner en un certain nombre de figures. Donc, je ne peux pas avoir une réponse niant la difficulté de ce que vous vivez, de ce que vous faites. C'est-à-dire, on sait tous que c'est difficile. Mais on est aussi dans l'idée d'une ambition. Tout ce qu'on ne leur donne pas, tout ce qu'on ne leur dit pas, les gamins qui sont dans un milieu culturel faible, ils ne l'auront pas. Ce n'est pas ailleurs qu'ils l'auront. Donc, on est tiraillé entre ça. Mais ce que vous décrivez là, c'est tout notre métier, à tous les niveaux. Donc, j'ai bien conscience que ce que je vous dis ne va pas du tout clore le débat. Et ne croyez pas que je veux nier ce que vous ressentez. Dernière chose. Il y a effectivement, ça ne va pas être une année simple. Il y a beaucoup de programmes, il y a une refonte d'ensemble du lycée, et effectivement, c'est la première année que vous appliquez ces programmes. Ça ne sera pas, et ces deux programmes, seconde, première. Bon, c'est le cadre. Voilà. Je ne vous rappelle pas, mais j'ai de vagues notions sur ce sujet. Donc, c'est la première année que vous les faites. La première année qu'on applique un nouveau programme, c'est pas parfait. On tente des trucs. On essaye d'appliquer. Et on sait bien, nous, quand on essaye d'évaluer la mise en œuvre d'un programme, en général, on attend 2 ou 3 ans. Parce que la première année qu'on le fait, effectivement, il y a des tas de trucs qu'on découvre, et c'est pareil quand on les fait, les programmes. Il y a des choses dont on a pensé que ça passera super dans les classes, et qui vont pas marcher du tout. Il y a des choses dont on pense qu'elles sont trop ambitieuses et qui vont super bien marcher. Il faut 1, 2, 3 ans pour voir ce que ça vaut. Mais ce n'est pas seulement vrai pour les programmes, c'est vrai pour l'enseignement qu'on en fait. Et en général, ça, vos inspecteurs, ils le savent. Année de nouveaux programmes, eh bien, on fait le pari. Est-ce que ça va tenir en temps d'heure, en tout pas? Donc, personne n'attend la perfection dans le traitement des programmes
si jamais elle existe, parce que, comme ça a été dit, les programmes, ça s'interprète. Personne n'attend même que le professeur ait stabilisé son interprétation des programmes la première année qu'il le fait. On essuie les plâtres. Et effectivement, c'est pas amusant d'en essuyer les plâtres. Mais il faut que vous sachiez que l'institution, c'est aussi que vous essuyez les plâtres. Mais on pourrait parler pendant des heures. Hein. Si vous me permettez, juste un élément que je voudrais rajouter. Lors des 10 formations qui ont eu lieu l'an dernier en première, qui ont été disséminées sur 2 jours sur l'ensemble de l'académie, je crois que nous avons lourdement et fermement insisté sur l'idée qu'on vous donnait aussi du temps pour les mettre en place, ces programmes. Nous sommes vraiment attachés à cette idée que vous êtes aussi en recherche. C'est-à-dire que si nous allons vous voir sur un rendez-vous de carrière, on est conscient que vous n'allez pas être complètement à l'aise sur un nouveau programme de première, de seconde, de MC, quel qu'il soit. Donc vous pouvez compter sur notre aide et notre compréhension. Ça, c'est la première chose. Et c'est un propos que je partage avec tous mes collègues de l'inspection pédagogique régionale. Bon, ça, c'est un premier point qui me semble important de vous dire. On est à vos côtés. La deuxième chose, c'est que au niveau de l'Académie de Bordeaux, les corps d'inspection sont mobilisés pour aussi vous proposer, par le biais des chefs d'établissement, et il y a eu un courrier qui a été écrit il y a quelques semaines par Madame la rectrice à ce sujet, pour venir vous rencontrer si besoin pour des demandes ponctuelles de formation, d'appui, d'accompagnement sur les contenus de la réforme du lycée. Donc on est à votre écoute, on fera le maximum pour vous appuyer et vous pouvez compter sur notre appui total. Voilà. Oui, je voulais rajouter une phrase. Pardon. Merci beaucoup. Oui, je voulais rajouter une phrase ou deux au témoignage du collègue. Ce que vous dites, on le reçoit. Moi, je reçois des mails, on reçoit l'association, etc. On voit aussi les gens physiquement. On a nos collègues, puisqu'on est insérés dans les établissements. Donc, sans revenir sur ce qui a été dit, quand je parlais de sentiments de désespoir, parfois qu'on peut avoir, c'est à ce type de situation que je pense. Il y a deux choses que je voulais ajouter. La première, c'est que la mère de toutes les réformes pour nous, et là, il faut une mobilisation du métier. Ça, c'est ligne force de la PSG, c'est réduire le nombre d'élèves par classe. Je crois qu'aujourd'hui, avoir des groupes à 34 ou 35, moi, j'ai pas une seule ou plus. Voilà. Bon, moi, dans mon lycée, j'ai aucun groupe en dessous de 32. Voilà. Donc, effectivement, c'est une chose. Question des dédoublements. Voilà. Donc, les modalités d'application de la réforme, aujourd'hui, doivent être interrogées de manière, comme j'ai dit, sereine, constructive, etc. La dernière chose que je voulais dire, c'est la liberté pédagogique. C'est l'origine même de la création de l'association 1910. Voilà. C'est-à-dire promouvoir l'idée que le professeur est maître de sa mise en œuvre. J'étais déjà là en 2013, lors de réunions avec les inspecteurs généraux, je crois bien, et la DGESCO, lorsque on avait demandé, ça a été mis dans les textes, donc là ça fait partie de ce qu'on fait au quotidien à la PSG, qu'on répète à chaque fois, qu'il y ait donc, c'était les programmes, vous savez, les allègements, parce que là aussi, les fameux allègements de terminale, voilà, et notamment le rétablissement de la terminale S, etc., à partir de 2014, qu'il y ait dans les textes, noir sur blanc, le fait que la liberté pédagogique était inscrite et que le professeur était libre, notamment parce que vous savez, avec les anciens programmes de première, qui étaient infaisables, hein, moi je ne les faisais pas plus que vous, les programmes de première d'avant, bon, on puisse avoir une reconstruction finalement par rapport à un programme qui ne suivait pas, vous savez, l'ordre chronologique, etc. Bon, là je pense qu'on a tenu compte et qu'il y a les conséquences dans le texte qui est proposé et qui est donné ici. Voilà, donc ça c'était peut-être les trois éléments que je voulais ajouter en vous invitant à répondre aussi, si vous ne l'avez pas déjà fait, à notre questionnaire, parce que en fait nous, notre légitimité, c'est vous. Voilà, ben, il faut être clair. Donc moi je suis un parmi
vous, les pères. Et donc, quand on va, je peux vous le dire, hein, là, par contre, devant des instances, etc., et qu'on dit, voilà, on a fait une enquête, il y a tant de répondants, et voilà ce que ça donne. Alors, on a une légitimité, on a un poids, et je peux vous dire que, voilà, on le clame pas, c'est pas notre genre, on le clame pas sur tous les toits, tout ce qu'on fait, hein, mais je pense que c'est important, c'est la raison d'être aussi d'une association professionnelle qui est en complément, évidemment, et qui ne se substitue pas aux autres acteurs, aux instances. Bon, on est fonctionnaire, donc voilà, là, l'institution s'est exprimée. Voilà. Merci. Bon, c'est un débat évidemment extrêmement central, hein, et on sent les émotions de chaque côté, émotions qui vont pouvoir s'exprimer autour d'un déjeuner, puisque maintenant vous allez pouvoir continuer à discuter. Merci à tous les intervenants de cette matinée, merci à vous, et donc vous avez le déjeuner à côté. On se retrouve à 14h pile pour la géographie.